majorité républicaine avec nos alliés et sympathisants pour réaffirmer notre soutien indéfectible à notre champion, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Nous saluons le dépôt de candidature et la validation par la CENAP le 15 juillet 2016 dernier. C'est le candidat qu'il nous faut. Nous, les femmes, nous ne doutons pas un seul instant de la victoire cache et sans bavure d'Ali Bongo Ondimba. En ma qualité de délégué fédéral UFPDG France, représenté avec toutes les femmes, nous allons œuvrer auprès des électeurs et électrices à cette victoire. À cet effet, nous exhortons nos compatriotes dans cette dynamique, ceux et celles qui sont encore hésitants à nous rejoindre pour matérialiser ce concept et mettre en exergue, en valeur, les réalisations présentes et futures dans le Changeons Ensemble. Y'a Ali Bongo Ondimba, Oye! Oye! Y'a Ali Bongo Ondimba, Osu! Osu! Y'a Ali Bongo Ondimba, Gore! Gore! Y'a Ali Bongo Ondimba, Mbembe! Mbembe! Y'a Ali Bongo Ondimba, Bilolo! Bilolo! Je vous remercie. Madame Bella Sima Hortense, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, pour le présidentiel au Gabon de 27 août 2016, quel sera votre candidat? L'unique candidat que je connais, c'est le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, parce que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qu'il nous faut. Il peut encore continuer, vu son âge, il est jeune. Nous avons besoin de jeunes dans notre pays pour changer les mentalités. Nous voulons évoluer, nous voulons changer ensemble. C'est pour cela que nous avons choisi. Et depuis 7 ans, nous avons vu les réalisations. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est ce qu'on touche. C'est pour cela que nous tous, nous sommes ici, UFPDG de France, avec la Fédération PDG de France, pour soutenir cette candidature. Nous sommes tous réunis ici parce que le dossier a été validé. Et parce que le Gabon sait que c'est le candidat qu'il faut à tous les Gabonais. Et nous savons que nous aurons la victoire, parce que c'est l'homme de la situation. Elle sera sans ambiguïté. Elle sera cache, cette victoire. Et nous disons victoire à nous tous. Oui, puisque vous êtes certain que la victoire est certaine, quelles sont vos attentes par rapport à la nouvelle mandature qui va démarrer après 2000 août, août 2016? Nos attentes, nous les Gabonais, parce que nous avons le mot du changement, c'est changeons ensemble. Le distingué camarade a un plan de changement pour les Gabonais. Nous allons énumérer, ne fût-ce que la décennie 2025 pour les femmes gabonaises. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été jusque-là déjà changées pour les femmes. Il y avait un certain nombre de problèmes quand une femme, une Gabonaise perdait son mari, qu'elle devenait veuve. Les dossiers étaient compliqués, il fallait un conseil de famille, il fallait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, grâce aux distingués camarades, il n'y a plus de conseil de famille. La veuve rentre directement, jouit tout de suite de ses droits. Donc ça, ne fût-ce que ça déjà, il y a, on va dire, un grand pas vers le changement. Madame Bella, nous vous remercions de votre disponibilité pour la candidature de Ya Ali Ondimba. Merci. Quel sera votre candidat pour les présidentielles 2016 au Gabon? Bonjour. Il n'y a pas de doute, c'est le candidat idéal. Le candidat qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, à travers les 7 ans, on voit toutes ces réalisations
nous avons vu les ponts qu'il a réalisés, nous avons vu les écoles, les hôpitaux. Donc, il n'y a pas de doute en cela. Il nous a fait confiance et nous aussi, on a confiance en lui. C'est pour cela qu'on lui redonne encore un deuxième mandat pour les sept ans à venir. Oui, quelles seront vos attentes pour la prochaine mandature qu'il obtiendra, bien sûr, après le 27 août? Comme il a commencé l'égalité des chances, il va réaliser tout ce qu'il a déjà commencé. Il faut du temps, c'est long, mais il finit par réaliser. Okay. Donc aujourd'hui, j'exhorte la population à voter le candidat Ali Bongo Ondimba. Okay. Merci Madame Mboukarel, vous êtes membre de l'UFPDG France. Quel sera votre candidat à la présidentielle 2016? Alors mon candidat à la présidentielle 2016, c'est Ali Bongo Ondimba. Vous êtes sûr? Je suis certaine. À 100%? À 100%. Alors quelles seront vos attentes après les élections de 27 août 2016 que nous pensons être remportées par votre candidat? En tout cas, il remportera ces élections et en tout cas, j'attends du président toujours cette dynamique de travail, cette volonté de faire changer le Gabon, cette force qu'il a de faire bouger les mentalités pour l'éducation des Gabonais, pour le développement du Gabon, pour l'ouverture du Gabon sur l'international, pour l'enrichissement de chaque Gabonais qui va profiter de sa terre, de sa culture, de son identité. Le président Ali Bongo Ondimba est un homme jeune, un homme dynamique, un homme mature, un homme volontaire, un homme qui a un certain charisme. Et moi, il représente la modernité. Ok, merci madame. Bonjour. Oui, pour la présidentielle 2016, quel sera votre candidat? Pour la présidentielle 2016, mon candidat sera monsieur le président actuel, Ali Bongo Ondimba. Mais pourquoi avez-vous opté pour lui? Nous avons opté pour lui parce que nous avons vu les réalisations qui ont été faites. C'est vrai que tout n'a pas été fait, il reste beaucoup à faire, mais il faut reconnaître que certaines choses ont été faites et on attend encore mieux. Ah, d'accord, mais qu'est-ce que vous attendez alors pour la prochaine mandature qu'il aura sûrement après le 27 août 2016? Après l'élection de notre candidat en août 2016, nous lui demandons juste de parachever son œuvre, de terminer ce qu'il a commencé et nous espérons que les Gabonais qui sont encore sceptiques, qui ne veulent pas accepter ou peut-être parce qu'ils trouvent que, comme ils le disent, les bongos, mais ils ne veulent pas apprécier le travail qui a été fait. Qu'ils soient avec nous, qu'ils sachent que on veut travailler ensemble, on veut changer ensemble, on veut développer le pays ensemble. Qu'ils viennent et qu'ils nous aident à travailler. Oui, M. Bivegué, nous vous remercions pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie.
en Jésus, je vous invite maintenant à la prière. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, parce que la parole nous dit que toute chose concourt au bien de tout ce qui aime Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devons d'abord le recommander entre les mains de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons également vraiment nous incliner avec tout ce qui se passe. Vous savez que le peuple français, le pays dans lequel nous vivons, connaît actuellement vraiment une douleur, une épreuve terrible, où les familles sont en deuil, les personnes sont mortes. Donc vraiment, nous allons quand même quelques minutes vraiment penser à toutes ces personnes-là. Nous allons nous incliner en gardant une minute de silence. Je vous prie. Merci. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour notre pays. Nous sommes ici en France. Nous représentons la communauté gabonaise. Et nous allons prier également pour les élections présidentielles, autant pour moi, qui va se dérouler dans un mois, se déroule dans la paix, dans de très bonnes conditions surtout. Voilà, nous sommes là réunis. Prions tous ensemble. Ceux qui ne savent pas, vous fermez seulement les yeux et puis vraiment vous regardez tout simplement vers le Seigneur. Et puis nous allons également manger ensemble. Seigneur Jésus, nous te remettons ces moments entre tes mains. Merci de nous avoir permis de nous retrouver en cette occasion autour d'une table si bien garnie pour des circonstances particulières en ce qui concerne notre pays. Papa, nous te demandons de bénir cette rencontre. Que tout ce qui va se passer dès maintenant soit simplement ta volonté. Écarte la volonté des ténèbres. Écarte tout ce qui vient du diable et ne réalise que ce qui vient des cieux de toi. Papa, nous te remettons la campagne qui va commencer. Nous remettons entre tes mains notre président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous sommes réunis ici afin qu'il soit celui que tu vas choisir pour présider notre pays. Nous prions pour que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. Bravo, Seigneur, sanctifie cette nourriture. Bénis toutes les mecs qui ont préparé, Seigneur. Purifie cette nourriture, Seigneur, qu'elle nous fasse que du bien, Seigneur. Que nous soyons tous en bonne santé, rayonnant, Seigneur, par ta gloire. Nous te magnifions, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse la France. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus, sois éternel, mon Dieu. Sois l'invité invisible sur cette table. Au-dedans de chacun de nous, et ici, partout, ici comme ailleurs, par ton nom puissant, Jésus. Amen. Amen. Ça, ce n'est que le commencement. Le double arrive encore. Voilà. C'est celui que le PDG a choisi, nous le soutenons, et aujourd'hui nous manifestons notre volonté de le voir gagner. C'est le rassemblement ici, ce n'est que le commencement. D'autres camarades vont arriver tout à l'heure. Nous sommes là jusqu'à 21h. Il est 16h et nous, c'est le début de la cérémonie. Merci beaucoup. C'est la bouteille du futur. On va lui confier le whisky. Ok, c'est bon, on va s'entendre toi et moi.
Vraiment. Moi, je savais pas qu'il y avait du cabernet d'Anjou. Je vous ai acheté Margot et elle me demande 5 millions. Non, même sans pouvoir, c'est bon. Il n'y a pas l'arôme magie. Si, c'est sur la table. L'arôme magie. Oui. L'arôme magie, ça va bientôt. Oui, madame. Ça va. Non, mais moi, je... Non, mais moi, je pas aussi trop doucement. La matinée, elle est vraiment... C'est comme ça que vous voulez vous poser. Les livres vivants, c'est pas mal chaud. Je vais les emporter. Je vais les... Les pauvres. Et on s'est détesté avec la chaleur, là. Tu manges pas, hein? Si, si, j'ai pas de selfie. Oh, allô? Je veux ta face. C'est ainsi que j'assouvis mes appétits. À bon entendeur, salut. Au suivant. Bon appétit. Merci. Alors, c'est qui votre candidat? C'est qui votre candidat? Hein? C'est qui? C'est 5. Votre candidat, c'est 5. C'est toujours le même candidat que je soutiens. J'ai pas changé. Elle n'a pas changé, hein? Non. D'accord. Je changerai pas. Attends d'abord doucement. Est-ce que vous êtes ensemble ou tu veux lâcher? C'est toujours le même. C'est toujours le même candidat. D'accord. J'espère c'est le meilleur. J'espère que les candidats vous écoutent. Il nous écoute et il sait ce qu'il a à faire. Ouais, et il fait ce qu'il dit. Ah oui. Voilà, et le partage du gâteau à la fin. Voilà, il fait ce qu'il dit. C'est ça qui est important. C'est qui votre candidat? Ali Bongo. Ah, pourquoi? Pour toutes ses réussites de son mandat. Il n'y a pas plus mieux que lui? Il doit avoir mieux que lui, mais lui il est bien pour Gabon. Ah, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Comment tu fais? Viens là. Faut manger ici. Faut manger ici. Abdi, faut pas que tu prennes le porc, le nain. Je peux pas le faire.
Merci. Bonjour. Bonjour, bon appétit. Merci. Fais de manioc. Ah ouais. Là, tu vois le Gabon du futur derrière. Tu prends tout ça comme ça là. Quand j'arrive, parce qu'on dort les gens de la nuit dehors. L'ambassade, la clause d'ambassade. Le PDG, le PDG. Le PDG. Le PDG. L'unité nationale. Voilà. Le PDG. Le PDG, l'unité nationale. Attention, voilà. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. L'unité nationale, le PDG, le PDG, le PDG, oh, arrêtez vos papouilles là, chantez. Le PDG, mais oui, mais c'est pas ce qu'il On fait comment? Non, il ne fait pas terre. On ne fait pas ça chez nous. Ils m'ont dit, on fait ça chez nous. Donc, j'ai les droits de dame là. Et ces gens. Il y a les bonbons sous! Bonbons! Bébé! 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 Milolo! Ali Bongo? C'est je dis regardez un peu. Moi je n'ai jamais fait la politique, c'est la première fois à l'UNF. Moi c'est la première fois que je m'engage. Mais oui, c'est la première fois. J'ai jamais fait. J'ai dit oui, il faut que j'y aille. Parce que ce sont mes parents qui étaient là-dedans à l'époque. La victoire cache comment on sans bavure. À l'époque des tendances. Nguema Richard et moi. Ali Bongo, moi je suis de Doyen. Lolo. Mais il y avait des tendances à l'intérieur du PDG. Et mon père. Il est assis là. C'est vraiment lui le candidat qu'il nous faut. Le candidat qu'il fallait. C'est le ravitaillement. C'est le ravitaillement qui est arrivé là. Il y a encore les trucs ici. C'est le ravitaillement. C'est en Chine. Il n'y a plus le poulet. Le poulet. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Attends,
Kevin. Quand les vieux là, tu te dis comment tu es quand tu jeunes n'as pas de vie. Aïe, on va la belle année. Mira, comment ma pizza. Mais on est en train de bien manger. Madame. C'est elle qui a pris. Avec. Tu vas goûter ça, William. Ouais, ouais. Non, mais si vous voulez, on a le même goût. Les gens qui prennent on a la même goût. Oui, ce sont les aubergines. Vous avez fait attendre. À gauche, c'est le temps. Ma belle-sœur, ah, c'est ma belle-sœur ça. Et puis comme hein, il a l'habitude de butiner du jaune, il va chercher une fleur. C'est le temps. Non mais ça c'est grave. C'est le temps. C'est le temps. Après, sucrerie. Moi, c'est carrément sucrerie. Ali Bongo Liba. Ali Bongo Liba. Ali Bongo Liba. C'est terrible. Avec sa brochette. Je sais que depuis un moment là, je ne respire plus avec le téléphone camarade. Je ne sais même plus comment entre le travail, entre la politique, entre je ne sais plus. Les sollicitations. Les sollicitations, je ne sais plus où me mettre. Tu vas chercher. Bon. C'est trop fort. Mais Dieu t'a doté d'arguments naturels. Et voilà, qui font que. Pour convaincre. Non, là c'est pour mettre Yali. Yali, tout, tout, tout. Là où personne ne pourra. Je ne connais que ça, à part le whisky, le vin. Mais je vais raconter sur la chanson, super. J'attends. Alors en gros, la chanson, c'est un record qui est fait à base de plantes. Donc à base de plus de plantes. Oui, c'est un peu comme une chaîne de pieds. Et en gros, il n'y a que les moines qui connaissent la formule. Il connaît la vraie heure. Ça y est, vous avez célébré la. Mets-toi en position, on te prend. Ah, excuse-moi, pardon. Non, ça c'est. Le film. La bassinière, le madame. Elle a ma tête. Non, c'est bon.
Ah ouais, ouais, j'en ai fait déjà ici. Vous, vous êtes passé juste après. Vous êtes arrivé presque tard. Oui, quand même, on arrive. Bravo! Bon, fédéral, c'est toi qu'on attend maintenant. Ah bon, maintenant? Magnifique. Bon. S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Giboulou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes secrétaire général des forces citoyennes de la diaspora et en même temps membre de la fédération de PDG France. On vous retrouve ces jours au barbecue républicain ici à Paris, Montsouris. Quel est votre mot de circonstance à cette occasion? Alors, je suis ravi donc de me retrouver à cette manifestation organisée par la Fédération PDG France. Je suis ravi à plusieurs titres, non seulement parce que je suis membre de cette fédération, mais également parce que je suis secrétaire général des forces citoyennes de la diaspora pour Ali Bongo Ondimba 2016. Pourquoi les forces citoyennes de la diaspora? C'est un mouvement qui regroupe en son sein tous les partis amis, tous les partis soutenant la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, c'est certes une manifestation organisée par le PDG, mais c'est surtout un rassemblement républicain parce que ici nous avons les autres partis amis, donc notamment le CLR, les associations comme Renaissance, comme Cohérence démocrate. Nous sommes parfaitement représentés ici. Oui. Alors pour cela donc je félicite les organisateurs de cette manifestation et je souhaite que les choses continuent en ce sens jusqu'à la victoire de notre champion le 27 août 2016. Oui, quelles sont une ou deux raisons que vous pouvez avancer aux imbéciles qui s'aventuraient encore à aller voir ailleurs au lieu de se concentrer sur votre candidat Ya Ali Bongo Ondimba? Tout ce que je peux dire aujourd'hui, bon, d'abord nous sommes en démocratie, ça je le respecte, mais ce que je peux dire aux indécis et à ceux qui se posent encore des questions, je peux leur dire de bien réfléchir et de se dire, est-ce qu'il vaut mieux rester avec les personnes qui ont déjà posé les bases du développement du pays, ou il faut aller vers des personnes qui vont devoir tout recommencer? Moi, je leur suggère plutôt de continuer sur les bases du développement
qui ont déjà été mis en place par notre champion Ali Bongo Ondimba, dont je pense que c'est parfaitement l'homme de la situation. Ok, merci monsieur Guy Boulou. C'est moi qui vous remercie.